Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Mounted Blade Bannerlord 2, et pas n'importe quel épisode, car c'est le 50e épisode, voilà. 50e déjà qu'on suit les aventures d'Ulfric. C'est pas dégueulasse. Et cet épisode, j'aimerais bien le marquer aujourd'hui par la création de mon royaume. Donc allez, c'est parti, je me sens chaud. On va essayer d'aller voir Vidar, du coup c'est le chef de la faction. En plus, ça tombe bien parce qu'en plus, je vois qu'il a une armée ici et je vois qu'il est pas loin de Maruna, donc on pourra dans la foulée aller à Maruna pour accomplir la quête. Il me semble que c'est choisir un royaume non impérial, ben, l'indépendance du clan. Et du coup, on lui donnera la bannière de Calradios à Azargos et puis du coup, on sera en paix avec les Nordiens. Voilà. Bon, allez, on va choper Vidar maintenant. C'est parti. Faut que je retrouve les touches un petit peu parce que oui, ouais, c'est 3. Je suis parti en vacances 2 semaines là, 2 semaines et demie même. Donc je vous avoue que je vous ai laissé un... Bah vous avez dû voir que sur la chaîne c'est un peu diminué. Et d'ailleurs je pense que pour les grandes vacances je vais un peu diminuer le rythme hein, de vidéo. Quand ce sera la rentrée, je reprendrai un rythme plus soutenu. Mais là j'ai envie de me reposer un petit peu quoi. Que ce soit sur le plan professionnel comme sur le plan mon projet passion, mes vidéos, quoi. Alors, allez. Vidar, où es-tu? Alors, attention. Alors, parle au chef de l'armée. Je suppose que c'est Vidar. Grand prince Vidar. Non, je vais te faire foutre. Monseigneur, je serai libéré du serment d'or. Déjà, j'avais prêté serment à Ragedvat, pas à toi. Hein? Déjà? Lui supposant le fric, il est mutuel de demander libération en hommage, mais à ce qui concerne votre excellent service, je ne vous retiendrai pas. C'était vraiment y mettre fin, bien que vous nous manqueriez cruellement. Quelque chose que je dois faire, monseigneur. Alors, en êtes-vous sûr? Sachez également que si vous quittez mon service, vous devez abandonner tous vos fiefs que vous détenez, mon ami. Bien sûr que non, monseigneur, je suis toujours votre fidèle vassal. Quoi? Je suis obligé de... Une blague? Et non. Normalement, si on peut choisir de garder les fiefs, hein. Qu'est-ce qui se passe encore, hein? Je dois faire. Monseigneur. Vous plairez, je déclare donc que par présente lettre, serments sont nuls et non avenus. Vous ne posséderez plus les terres ni les titres. Merci, messieurs, je suis en train de vous servir. Faites libre, Ulfric. Attends. Donc, du coup. Varchek, c'est plus à moi, c'est ça? Je vais me faire foutre. Attendez, faut que je vérifie. Hein. J'ai sauvegardé juste avant, au cas où. Oui, alors, les amis. On l'a refait. Je pensais qu'il fallait vraiment parler à Vidar pour quitter le royaume. En fait, non, quand on va dans le royaume, on peut choisir de quitter le royaume. Et quand on clique sur quitter, on peut choisir de conserver ses propriétés, etc. Et là, du coup, on sera mal vu, quoi. Donc du coup, ce qui fait que je vais aller à côté de Maruna, je pense. Allez, on va faire ça. Tac. Ah, j'avais pas vu. Parce que j'ai cherché dans les menus, quoi. J'ai galéré. Je vous ferai une ellipse, hein, parce que c'est... J'ai dû chercher pendant moins 10 bonnes minutes, hein. Déclaration de guerre contre les Vlondiens. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, comme d'hab, hein... Allez, on quitte le royaume et on conserve les propriétés. Salut les gars! Là, je suis en guerre contre... les Nordiens. C'est excellent. Emmène-toi, putain, allez. C'est lent, là. Alors, Azargos. Visiter. N'a pas pro, je me demande quel royaume devrais-je soutenir. Bah, connard, j'ai accompli la quête. Mais putain. Pourquoi ça marche jamais comme je veux? Pourquoi s'il y a toujours une couille? Je suis indépendant. Vous avez dit à Azargos que vous créez votre royaume, hein, il vous attend. Une fois que vous aurez complété tous les prérequis. J'ai complété tous les prérequis, fils de pute. Maintenant, je peux te parler, non? Ouais, il me dit que dalle, cet enculé, hein.
C'est horrible. J'ai accompli tous les prérequis, putain, mais laisse-moi créer mon royaume, bordel! J'ai tout complété, mais putain! Je suis échelon de clan 4. Oui, je suis échelon de clan 4, oui, bah c'est bon normalement. Oh, qu'est-ce que ça me saoule, putain, je vous jure, ce jeu. Me dites pas que c'est buggé, quoi. Que c'est buggé, la quête principale est buggée, je peux pas créer mon royaume du coup. Oh, ça serait un scandale là par contre. C'est-à-dire qu'il faudrait que je reste avec les Sturgiens jusqu'à la fin de ma life, au secours. It's a trap. Oui, alors les amis, alors on la refait encore une fois. Donc, je vais dans l'onglet clan. Je quitte mon royaume, je conserve mes propriétés. Voilà. Et ensuite, je crée mon royaume, voilà. Et quel connard, quoi, je vous jure. Pardon? Culture Sturgienne, ouais. Petit, d'accord. Un pont foncier, un système qui permet davantage d'accès aux propriétés et moins sur les taxes d'entrée imposées, de collecter davantage auprès des riches propriétaires terriens. Ok, monopole d'État. Les gens proposent au monopole certaines marchandises bien que pratiques, hein, une licence de production. C'est sacré. D'accord. Souvent considéré comme un demi-dieu et certains rituels doivent être accomplis sa présence qui est. D'accord, ok. Ah, ok, enfin, faut choisir les quatre trucs. Wow. Maximum quatre politiques. Au secours. Au secours, je vais devoir lire tout ça. Ok, on va faire l'impôt foncier, je pense. Les gens peuvent faire de l'argent rapidement en faisant la monnaie, augmente la production. L'inflation, quoi, au secours. La pratique des héritiers ont tendance à prendre le contrôle des fiefs familiaux. Devoir à la couronne. Voilà, Zolo, un impôt spécial taxe, d'accord, payable. L'impérial, le dirigeant, non, non, la commission royale. Garde-roi dirigeant maintient une garde prestigieuse à la tire des guerriers qui pourraient aussi servir de leur seigneur local. Sympa ça. Taxes de garde et taxes exceptionnelles ont souvent été appliquées en temps de guerre. Ça veut dire que si on est en guerre, quoi. Il y a une longue liste de raisons pour laquelle un dirigeant peut acheter une loi vote au conseil. Nanana, je trouve une excuse. D'accord, ok. Sénat, tous les seigneurs ont un rôle officiel dans le conseil. Oui, conseil privé. Militaire, héritage féodal, les États ayant des lois formelles rendent plus difficile la location des terres. Nobles, fassent une belle réputation, fortifier leurs terres, positionner la main-d'œuvre et les matériaux pour se faire. Huissier, les nobles ont le droit de nommer des baillis, droit de chasse. Il y a tellement de trucs. Les propriétaires, c'est un droit de percevoir des taxes sur le commerce. Ouais, c'est bien ça. Non, quoique, non. Un classement officiel, un maréchaux, pionnier terre, les grandes armées, conseil des communes, charte des libertés. Il y a tellement de trucs. De nombreux empires accordés leur. Ouais, d'accord. Tribun plèbe est un fonctionnaire républicain. Ouais, putain, il y a tellement de trucs, je sais pas quoi prendre. Non, bah, on va garde royale et puis impôt foncier. Quand on est en guerre, je pense qu'on va souvent être en guerre, donc à les taxes de guerre. Ok, je vais faire suivant. Or, putain, le nom du royaume. Bah écoutez, bord de ciel. Pourquoi je me casse la nénette? Bord de ciel, voilà. Créer son royaume non impérial, mise à jour. Ok, donc là, je vais pouvoir parler à cet enfoiré. À Zargos, parler. Tac. Je suis dirigeant de bord de ciel, je porterai la bannière du dragon. Très bien, la bannière du dragon que vous tenez entre vos mains pour comme vengeur les crimes de l'Empire et leurs successeurs. C'est bon, j'ai créé mon royaume. Alléluia, qui a été échoué sur une faction impériale. Ouais, par contre, ils vont me faire la gueule, les impériaux. Hein. Ah, par contre, les Nordiques veulent toujours me faire ma fête, quoi. Ah, je pensais que ça calmerait les esprits, en fait. Il est plus là, Zargos, ouais, je vais me faire foutre. Hein. Bon, bah, ça va être la guerre. La guerre contre mon ancienne faction. Écoutez, on va retourner à Varchek du coup.
que là, je pense que ça va être la merde. Affaiblir l'Empire. Pour que l'Empire connaisse sa chute, tu devras rester au moins de 4 fiefs leur appartenant. À cette condition, le nouveau royaume pourra se revendiquer comme puissant. Dominant. Non, mais là, j'ai surtout envie de casser la gueule aux Vlandiens, quoi. Ils m'ont trop cassé les couilles. Et d'abord, je vais devoir casser la gueule à mes anciens camarades. Bon. Alors déjà, mon groupe. Mon clan. Je vais devoir... En prison. Merde, Fodor. En prison, Varnavopol, il était déjà là-bas, donc du coup, il est en prison. En prison, Révéla, parce qu'il... parce qu'ils étaient déjà là-bas, d'accord, ok. C'est génial, ce jeu, j'adore. Donc du coup... Carré de l'épéiste, on va te donner des hommes. Qu'un groupe. Oh, je peux avoir 212 mecs avec moi. Oh, je peux pouvoir faire du recrutement à fond de balle, moi. Carré de l'épéiste. Terminé, on va te donner des troupes. Vous savez quoi, avant toute chose, je vais faire du recrutement. Je pense que c'est bien, je recrute un peu n'importe quoi. Hein. Faut pas attendre de faire casser la gueule. Voilà, on va retourner à Varchek tout doucement, je vais repasser par Céonon. Allez. Ça y est, on a enfin créé notre royaume, et bah putain. Bien d'accord, alors je suis en guerre contre ouais, les... Les anciens camarades, ça va être marrant de leur casser la gueule, tiens. Ils sont 302. Ouais, c'est chaud. Je vais pas tenter le diable. Mais elle est pas si bien défendue que ça, hein. À méditer, à méditer. Ah, je pensais qu'on serait plus en guerre si j'avais accompli la quête, en fait. C'est ce que j'avais cru voir dans... Où est-ce qu'il va, ce connard, en fait Ils sont même pas en guerre contre les Vlandiens, hein. On attend Tavarcheg. Évidemment, tiens. Bon, après la défense que j'ai fait la dernière fois, plus rien me fait peur, hein. Alors... T'es des troupes, hein. On recrute tout ce qu'on peut... Ah, ils vont assiéger Varchek, les pourris. Ça me fait pas peur. On va acheter des trucs. En profiter. Alors, il y a quoi en armure, là? Oui, que je regarde, parce que je commence à équiper bien mes compagnons pour pouvoir leur donner des hommes par la suite, hein, c'est le but. Faudra que je commence vraiment à acheter des trucs assez sexy pour eux. Et là, pour l'instant, je vais surtout acheter de la bouffe, parce que là, on va se taper un siège. Alors... De bouffe, voilà, du poisson et du blé. Tac. Voilà, et on va attendre ici un petit moment, parce que ça va péter, tout simplement. Il y a l'armée de Vidar qui arrive pour essayer d'assiéger Varchek. Et on est 349 en défense, bon, ça va, 351. Allez, assiéger, c'est bien, les gars. De toute façon, les Nordiens, ils sont un peu éclatés, hein. On le sait. Moi, j'ai pas peur d'eux, clairement. Allez, construis ton bélier, là. Mmh.
Là, ça construit des tours de siège et tout. C'est un peu moins con que la dernière fois. En même temps, c'est vrai qu'ils sont débiles, hein, donc... Mais bon, là, on est quand même beaucoup, beaucoup... On est avantageux en défense, faut pas l'oublier. Là, ils commencent à faire des tours de siège, des trébuchets, etc. Là, faut faire gaffe. Hein. Essayez de pas sortir, parce que... Ça essaie d'endommager les murs. Ouais, on peut tenir, hein, ça va. On voulait, les gars. Hein. C'est bon, ils attaquent. Allez, c'est parti pour la défense de Varshak, bis. Cette fois contre nos anciens alliés, ça va être très drôle. Je le sens. Déploiement auto. Comment c'est la saut? Allez, c'est parti. Je sais jamais où est la porte là-dedans. Je crois que c'est là-bas, ouais. Je t'ai déjà fait baiser la dernière fois. Ouais, c'est ici. Là, tout le monde attend à la porte, là. Bon, même strat que la dernière fois. Hein. Je vais essayer de leur casser le cul, hein. Oh, putain! Je crois que là, ils se sont pris un tir de catapulte. Attention, parce que là, ils ont une tour, ils ont un bélier. Là, ça va pas être pareil que la dernière fois. Hein. Ça va être un peu plus serré. Allez, touché. Pétez-moi ce bélier, les gars. Allez, enculé de surgien, vous êtes trop con. Je regrette pas de m'être cassé. Allez, on les ralentit au max. Merde. Quoi? Putain, ils arrivent quand même à le pousser, c'est ouf, hein. Oh, ils ont pété le bélier. Par contre, ouais, connard, j'ai voulu prendre un rocher, il l'a pas pris. Merci. Bon. Ça marche pas très bien, hein. J'essaie de récupérer des flèches. Ils vont arriver en dessous, là, les connards. On s'en sort bien malgré tout, mais... Ah, on a pété le bélier. Ah non, ils ont réussi à rentrer. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Allez, attention, là. Boum. On leur éclate quand même la gueule, hein. Et bon rocher, hein. Toujours une valeur sûre pour les un peu les ralentir, ces connards. Allez, hop. Je vois R. Je vois R. Voilà. Ils attendent quoi? Qu'on ouvre la porte? Non, non, non,
passerai pas, les connards. Dommage qu'on voit rien, en fait. Tu nous as acheté des rochers, c'est bien. J'ai de passer, ces connards. Voilà. On tient le coup, hein. Allez, bande de connards. Aucune race. Ça va, on tient le coup, ils arrivent à grimper un peu sur les murailles, mais bon, ils se font repousser, hein. Tant qu'ils pètent pas la porte en bas, ça me va, hein. Ah, merde. Les gars, on va essayer de les tuer, hein. S'ils arrivent à rentrer en dessous, ça va être compliqué, hein. Même si on les a déjà bien affaiblis, hein, donc ça peut peut-être passer. Ils vont réussir à péter la porte, ces connards. Ils sont quand même éclatés, hein. Ils ont réussi à passer, les connards. Enfin, réussir à passer, c'est vite dit, hein. Ils se font éclater. Oh, ils se font repousser d'une violence, quoi. Oh là 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 là. Regardez, ça fuit. C'est bon, ça fuit. Ça fuit comme des lâches. Allez, cassez-vous. C'est la déroute. Bon, on a gagné. Impeccable. On n'a pas eu trop de pertes, ça va. Ah, il y a quand même des courageux, hein. Il y a quand même des courageux. Ça suffira pas. C'est long, j'avais pas encore testé la baliste. Bon, ok, c'est nu assez compliqué. Je vais faire mon arc, hein. Bon, les gars, qu'est-ce que vous foutez là? C'est bon? Ils sont en fuite ou pas là? Bon là, bon, c'est un peu la fin, quoi. Ils sont où les derniers? Je crois qu'il y a encore une tour là-bas, une connerie, ouais, ils sont là-bas. Mais bon, franchement, ils sont... Vous avez vu combien ils sont, quoi? Genre, c'est qu'ils ont vite fait réussir à rentrer, quoi, ça m'a fait rire. J'ai tiré sur un pote. On n'a pas eu trop de pertes. J'espère, je crois qu'on a surtout perdu des miliciens. Oh, on a quand même bien géré la défense avant qu'ils arrivent à rentrer, quoi. Et ça, c'était bon. Ils se sont vraiment fait éclater. Ouais, c'est bon, c'est la fin. Ah, ils avaient mis leur tour ici, quoi. Ah là là, les cons! Alors, on a quand même eu 31 morts au total. La garnison de Varcheg, on a eu 7 morts. Et mes troupes, groupe du fric, j'ai eu 8 morts, quoi. Et les 8 morts, c'est surtout des recrues. Bon, ok. Ça va, c'est acceptable.
Par contre, les, ouais, on les a démontés. Svedor, Nasdaq, date de Battlefield. Ah, c'était un. Ouais, c'était un. On a tué un général en plus. Bon, bah écoutez. Nickel. Moins d'hommes pour ces connards. Panaléa. Bah écoutez, vous êtes mon prisonnier, hein. Faut pas faire de cadeau, hein. Ah, grand prince Vidar. Oh, comme c'est dommage. Comme c'est dommage, mon ancien prince. Est-ce que je favorise mes relations quand même avec lui, comme ça je peux peut-être potentiellement déclarer la paix plus facilement. Allez, tu t'es bien battu. Laisse partir. Ok. Donc là on a encore du butin, hein. Taverne. Rançonnez vos prisonniers. Voilà. Ah, bon sang. Eh ben, on les a bien démontés, hein. C'est qui, ça? Ah tiens, qui essaie de se barrer? Tu vas où, toi, du con? Moi, discuter avec vous. Tant évident, je veux pas votre loyauté. Merde. J'aimerais bien... J'aurais bien aimé les prendre sous mon commandement et ça marche pas. Nous sommes en guerre. On fiche, allez, on... La guerre, quoi. Attaquer. Je vais pas faire des trucs auto parce que j'ai peur du drame, hein. Hold your ground! Sergeants, take command! Ouais, faites ce que vous voulez, les gars. Ouais, je donne le commandement. Pour une remise en bouche, on verra plus tard. Oh bah ils ont pas d'archer. Ils ont que de l'infanterie et de la cavalerie. Bah écoutez... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, ça? Ah, ça me tire quand même dessus, mine de rien. Forward! On va mettre tes archers ici. Infantry! Allez, cassez-lui la gueule. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Voilà, fumier. J'ai pris un sacré coup là. Je crois que ça fuit là, hein. Ouais. Allez hop. Allez, ça dégage, boum. Allez hop. Ah, ça fait mal de tirer sur mes anciens potes, mais... Ah, ils l'ont cherché en même temps, hein. C'était trop naze. Hein. Voilà, allez hop. Là, c'est un petit cavalier qui se balade là. Tu vas fuir par où, du con? On m'appelle Sagittarius dans le métier, moi. Un boom. T'es mort. Il y en a un qui fuit là. Il n'y en a pas qu'un, même. Ha ha ha!
Je l'ai shooté. Allez, c'est gagné. On n'a pas perdu d'homme, bah c'est génial. Allez hop, on termine la bataille. Ah, vu comment ils m'aiment pas, je pense que bon, autant les faire prisonniers quoi. Alors, ouais, ça va avec nous. Ça aussi, ça va avec nous. Ouais, on les a bien affaiblis. Montre un peu au niveau du royaume, au niveau de les guerres, diplomatie. Oui, on est en guerre. Force totale, ouais, j'ai quand même moins de force que eux. Ah, ils m'ont fait deux prisonniers, oui, non, mais c'est mes gosses quoi, ça, oui, c'est normal, ouais. Ah, ils me font des pillages, ouais, forcément. Siège victorieux, non. Perte subie, ouais, on les défonce là-dessus, par contre. Ok. Ok, ok. Laiska, c'est qui? J'ai quelqu'un qui m'a rejoint? Je la connais pas, Laiska, c'est qui? Attendez, clan. Carré de l'épéiste, il a un... D'accord, j'avais pas vu que... j'avais pas vu que je lui avais fait un groupe à lui. Ok. Bon. J'avais carrément pas vu que je lui avais fait un groupe. J'avais dit que j'attendrais, mais au final, je lui ai fait bon. Bah, très bien, écoutez. Ah, j'ai monté de niveau. Ouais, arme de G, ouais. Et ça, c'était à cause des... des putains de rochers. Donc, immort damage, get shield. Oui. Escroquerie, ah, j'ai gagné en escroquerie. C'est un chance de succès, suite disguise mission. Ah, d'accord, ouais. Double amount of banning can use in tournament, bandit unit in your party, recuire. D'accord, ok. Ah, je peux parier plus quand je fais. D'accord, ok. Sympa ça. Prêt. Bien. Bon, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Donc, ça fera déjà une bonne vidéo. On a créé notre royaume. Là c'est vraiment un. Je pense que c'est vraiment un tout nouveau jeu qui s'offre à nous. En tout cas, ils vont sûrement essayer de me prendre le château d'Ove, etc. J'ai intérêt à faire gaffe, parce qu'en plus, c'est en pleine frontière avec bah, les Nordiques. Je vais essayer... Prochaine étape, je vais essayer de prendre au mort. Je vais essayer de recruter en chemin, du coup, accessoirement, parce que c'est vrai que là, j'ai plus trop d'hommes sur moi. Mais la prochaine étape, je pense que je vais essayer de prendre au mort, ouais, essayer de grignoter un peu les Nordiques, quoi. Si j'arrive à les défoncer, ce serait déjà une grosse épine du pied en moins, parce que du coup, bah après, j'aurais plus qu'à faire la guerre contre... ces enfoirés, quoi, en fait. Et si je peux rallier à ma cause certains nordiques, ça pourrait être sympa. Ah, mettons Vidar, je sais pas, on verra bien. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. Et moi, je vous fais des bisous. Et à la prochaine, allez, des bisous. Ciao, portez-vous bien.